Et c'est parti Philippe Viengonnet qui fait le hold shot. Alors là, il n'y a pas de drapeau jaune hein, pour le départ. Oh, il sort loin, c'est Banzai. Mais c'était pour mieux accélérer après. Oui, c'est bon. Bah oui. Regarde, là, il va se mettre à la corde. Il va fermer la porte. Là. On a les deux meilleurs en tête. Au moins. Et là, voilà, après, Colombin, 3, pareil. La grosse. Puis, et... ouais, Maxime Emery, 4. Luxe, voilà. Varna, comme elle accélère, une motrice, là. De Vivien Gonnet, c'est impressionnant. Alors derrière, on a Sylvain Dabert, on a Maxime Emery, Romain Gioff, Marc Germain, et Colombin qui est là. Colombin, hein, ouais. C'est ça. Allez, on va suivre Vivien Gonnet dans la descente, tranquille. Enfin, tranquille, ils sont à 120-130 km/h. Si t'appelles ça tranquille sur la glace, moi je me dis, tu me mets deux olives, t'as 30 petites d'huile. Hein. Mais non, mais c'est pas. Ah non, attends, t'es fou. Allez, Vivien Gonnet. Premier tour, Vivien Gonnet qui a déjà une seconde et demie d'avance, peut-être. Dabert, Colombin, voilà. Germain, Gioff. Un premier tour en 46. Hein. Maxime Emery, Brancy. Grandi de Pugny. Ils n'ont pas déjeuné encore parce qu'ils sont pressés là. Ah oui, ils sont chauds. Hein. Ouais. Oh, mais tout de suite. Hein. Ouais, mais 46-6, hein, premier tour de Vivien Gonnet. Ouais, ça va. Je crois que là, par contre. C'est bon, puis regarde, il a une seconde 6 d'avance. Ouais. Dabert, deuxième. Par contre, Maxime Emery, sixième. Ouais, sixième. Hein. Oui, là, attention là, pour la troisième place. Est-ce que c'est Julien Colomban qui est à. Eh bien, oui, pas loin. Julien Colomban, il y avait quelques points d'écart. Il y avait combien? 3 points. Oula. Non, plus pardon. Que ça. Non, c'était un petit peu plus. 6 et 8, 14. C'est ça? 12. 12. Il avait 12 points d'écart, et où c'est qu'il est Ah, il est 3, oui. Il est 3, donc là, il va reprendre des points. Ouais. 3, 4 points. Ouais. Exactement. Bon, allez, magistral. Regarde. Magistral, hein. Deux tours, ouais, là, je crois que... 3 secondes. Ouais, c'est une seconde et demie. Il est en train de coller une seconde et demie autour à tous ses petits camarades. Et Sylvain Dabert, oui, qui est en délicatesse avec sa moto. Regarde, il a failli tomber. Non, il est... Sylvain Dabert, la moto, c'est pas... Il en glisse de partout. Et je pense que Julien Colomban, là, ça va commencer à klaxonner. Hein. Ouais, ça va passer même. Regarde la descente, là. Alors, le freinage. Le freinage en bas, là. Ouais, là, ça va être un grand moment. On va les suivre. Bon, Vivien Gonnet, lui, peinard. Et regardez, ils arrivent tous les deux au freinage. Hop, intérieur pour Dabert, extérieur pour Colomban. Là, il faut repiquer. Il va replonger. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il a fermé la porte. Oh, il magnifique repiquer. Bagarre. Hein. Oh là là. Oh, la glissade, là, de Colomban. Il va passer. Allez, Julien, il va passer. Oui, il est passé. Magnifique. Julien Colomban qui réussit à passer. Et, génial. Dabert qui n'y arrive pas, il fait l'extérieur. Hein, il va repasser, non. Ah non, il tape dans le talus, il ne peut pas recouper parce que là maintenant, Julien va refermer la porte à gauche, voilà qui est fait, et il ne pourra pas passer. Il envoie à l'extérieur. Ouais, alors la motricité maintenant de la. Ah non, non, là, il n'y a pas de motricité. Là. Sylvain Dabert, c'est impressionnant. Ouais. Et bizarre. Ouais. On voit quand même que la Sherco de, marche, de Julien Colomban marche très bien. Il a fait très des très bons résultats la semaine dernière aussi. Ouais. Julien Colomban, là, il est chaud de chez chaud. Hein. Exactement. Et puis la troisième place, Maxime Emery en délicatesse derrière. Ouais, sixième, donc là, il va perdre des gros points. Et Vivien Gonnet, 42-7, hein, le record. Ouais, du tour lui, ça va, ça se passe pas trop mal. Ouais, regarde, il est tranquille. Allez, il est tranquille. Pas d'erreur surtout. Oh, hein. 4 secondes 3 d'avance. Ouais. Non, attends, mais c'est de la folie. Une démonstration. Ah oui, cette année, quand même, il y a Vivien Gonnet et les autres. Quoi, parce qu'il a pris une super gamelle à Lens. Super, oui. Il y a une semaine. Et là, on a l'impression qu'il est dans une forme éblouissante. Attention à Marc Germain, hein, qui remonte aussi sur Sylvain Dabert. Attention. Marc Germain, 4e. Et... Romain Gioff, super place aussi. 5e, Romain. Super. 6e, Maxime Emery. 7, Franck Brancy aussi. Randy Depugnier. Kevin Malige aussi, super. Noël Duvert, Mathieu Fine aussi, Matisse. 11e, Perresson, Wanchamp, Cartier, Lyon, Solterman. Voilà, Cavalleri, Martinez et Desmarri. Ouais, Grégoire, ça va pas. Il a dû tomber là, parce que vu qu'il est aussi loin. Grégoire, ça va pas avec cette moto. Il va falloir qu'il revienne à Luxe Barnard rapidement. Il a goûté à la 4,5 après c'est bon. Le freinage là-bas, il n'a même pas freiné. Là. Il était s'appuyer contre le mur. Ouais, Sylvain, il essaye tout, mais ça va pas. Non. Et attention, parce que Marc Germain se rapproche. Ouais. Il n'est plus qu'à une seconde, Marc Germain derrière. Regardez-le, Marc Germain. C'est Oli Deonice. C'est tout à fait. Ah ouais, mais c'est ce que vous aimez, les gars. Tout à fait. Alors, pour l'instant, Vivien Gonnet, il va pouvoir aller acheter un pain, boire un café, prendre deux chocolatines et un croissant avant que les autres arrivent. Il est peinard. Donc là, il va reprendre 8 points, 8 et là, 29. Alors, Julien Colomban, 4 secondes. On va pas lui porter là. Sylvain Dabert à 6 secondes. Marc Germain, pareil. Et la bagarre va être intéressante. On va suivre Tautossard 37, Sylvain Dabert. Et le 52, Marc Germain. Marc Germain qui a un palmarès exceptionnel. 9 fois champion de France. Enfin bon, il a fait. Oui, ça va pas mal. Les ISDE. Il a 2 ISDE. Je ne sais pas combien de trophées lausériens. 3 quoi. Oh oui, facile. Au moins 3. Il est facile, Marc Germain. Il est très facile. Il est en train, regarde, il se rapproche de plus en plus de Sylvain Dabert. Et il va essayer de décroiser un moment ou un autre. Dommage, il glisse beaucoup en bas là-bas sur la c'est reprise. Vrai, c'est vrai. Et on a l'impression quand même qu'une nouvelle fois, Luxe Varna de Marc Germain roule très fort.
Pour les internautes, non, c'était pas 8h30. Ouais, mais je suis parfaitement le mouvement. Allez, on va laisser tirer. Nos internautes, on va les saluer tout de suite après la course. Ils sont là. Bonjour les internautes. Voilà, ils regardent le pestacle avec nous là. Allez, ouais, toutes les familles qui n'ont pas pu monter. On les salue bien fort. On embrasse tout le monde, ouais. Oui, mais on embrasse Covid, hein, donc de loin. Moi, ça m'embête, on peut même plus faire la bise aux filles. Je pense que je vais rester enfermé chez moi encore une fois. Oh non, calme-toi. Je suis énervé là. Allez, attendant, regarde. Et il est revenu. Sylvain, ça remonte un peu sur Julien Colombin. Il a pris un peu d'air avec Marc Germain. Mais regarde. Oui, non, mais là, il n'y a pas. Oui. C'est toujours Didier Gounet avec son chasuble jaune, leader de la MV Cup, qui est en tête avec 5 secondes et demie d'avance sur Julien Colombin. Ouais. Et sa moto française, Cocorico, la Charco. De Radical Moto. Ensuite, on a Sylvain Dabert, une petite déception pour le non-nuple champion de la MV Cup, qui est troisième. Ensuite, Marc Germain, quatrième, toujours présent Marc Germain. Et surtout, un excellent Romain Gioff devant Maxime Emery. Magnifique. Maxime Emery a du mal. Ensuite, Franck Banksy qui continue à nous montrer qu'il est toujours là. Et puis, Randy Le Punier avec le Dossard 51. On aura également Kevin Malige, Noël Duvert, Mathis Fine, Randy Perresson, Loïc Cartier, Yuan Nigo, Yuan Van Chang. Notre Suisse, Solterman, qui fait sa première participation. Il se trouve repoussé à la 16e place. Allez, ouais, il va passer pour le dernier tour, hein, Vivien. Quelle démonstration. La prochaine fois, il fait honneur à son maillot. Hein. On va lui indiquer quand il va passer, que c'est le dernier tour. Il arrive. Voilà. Il est là. Allez, Vivien. Dernier ça commence tour. À sentir. Bon. Oui, mais bon, il en reste 3 encore. Plus que 800 mètres. Ouais. Pour ce tour-là, du moins, pour aller chercher les 30 points. Mais là, c'est très important, puisque dans le règlement de la MV Cup, le premier marque 30 points, mais le deuxième en marque 25. Oui, il y a la prime à la victoire. Ouais. Donc là, au niveau du classement général, alors que Vivien Gonnet en a déjà gagné 5, il va rajouter une sixième victoire. Donc, mais on a vu qu'il y avait 120 points. 120 points aujourd'hui. C'est pour ça. La semaine dernière aussi, on croyait que c'était fini. Gros carton. Et puis finalement... Ne vendons pas la peau du Vivien Gonnet avant d'avoir eu le drapeau à damier de la dernière finale. Exactement. Oh, la chute. La chute de Johan Nigon. C'est rien, il va repartir. Allez Vivien Gonnet. Et drapeau à damier. Ouais, super victoire. Voilà. Magnifique. Vivien Gonnet, il gagne. En plus, il empoche le record du tour. Julien Colombin. Normalement, il est... Oula, Il est là. Deuxième. Ah, voilà. Sylvain Dabert et Marc Germain. Regarde les écarts. Ah oui, bah alors. Julien Colombin, 8 secondes et demie. Dabert, 9 secondes 6. Là, Marc Germain, 12 secondes. Là, il n'y a pas photo. Ouais. Ah non, là, il n'y a pas photo, c'est sûr. Allez, Romain Gioff qui a dû faire 5, ouais, nickel. Alors, si j'ai bien tout lu mon règlement, l'arrivée de cette finale va nous donner la grille de départ de la super finale. Tout à fait. Oh là là, qu'est-ce que j'ai bossé pendant les vacances. Non, mais c'est bien.